Ce n'est que ces jeunes, ils ne peuvent pas se donner à fond. Hein? L'argent qu'on a ramené de la Coupe du Monde, on aurait pu acheter un groupe pour alimenter ces pylônes, hein? Pour qu'on puisse jouer à partir de 18h. Et vous allez voir que ces gars, dans la nuit, ils vont améliorer le spectacle. Les gens vont revenir des réunions, ils vont venir au stade. Ce terrain sera plein. Mais lorsqu'on nous fait jouer à 13h, quel spectacle vous voulez? Ils étaient à bout. Et c'est tout à fait normal, sous une chaleur pareille. Donc, j'estime qu'il y a des choses... avant de les faire, il faut réfléchir, parce que ce n'est pas des animaux, ces joueurs de football. Vous attendez quand même de marrer le match à 13h, ça? Oui, on le sait, mais ça change quoi la situation? Ça ne change rien la situation. On vous dit vous jouez à 13h45, vous essayez de vous adapter, mais je vous dis, ce n'est pas facile de jouer ici à 13h. Même si on vous demande, moi qui suis au soleil là, pendant 90 minutes, ce n'est pas facile. À plus forte raison, les joueurs qui sont sur l'air de jeu. Et le prochain adversaire? Le prochain adversaire, c'est également un match très difficile, c'est le Canon à domicile. Mon ami Enke, on va se retrouver et je crois que ça sera très très difficile, mais on sera prêt pour les accueillir.